sortir. Tiens, seul, on sait jamais, on peut l'arroser de temps en temps. Si c'est... Des fois, quand je me trouve dans les pays étrangers, j'ai les petites poubelles bien saines qui m'attendent, enfin. Ah, parce que tu vois bien, tout le monde jette des habits neufs. Hein, des fois, pour se protéger quand t'as vraiment froid. Je me souviens, en Autriche, ben, j'avais trouvé des trucs, hein, et puis j'étais bien content de les avoir. J'avais mis les joues par-dessus, et quand tu tombes, des fois, à des moins 10 le matin, tu dis, merde, tu vois, c'est bon, là. Normalement, j'ai pas dû oublier grand chose. Mais c'est sûr que je suis pas organisé. Cyclo désorganisé. Non, mais pour préparer. J'aime pas préparer quelque chose. J'aime pas. Parce que, vu qu'après, je me suis aperçu de préparer des parcours comme ça, et bien le lendemain, je m'en vais à l'opposé. Finalement, le soleil va venir plus tôt. Ça n'empêche pas qu'il va faire froid ou qu'on va aller. Mais maman, il y a des matières polaires. Pourquoi tu achètes pas des trucs Oui, il y en a. Je sais bien, il y en a qui m'ont dit, au lieu d'emporter tout, mettre 36 tricots, qu'il y en a qui s'est fait exprès pour le froid et le chaud. Ben, j'y crois pas trop. Tu veux pas essayer ? Non. Tu veux pas non. essayer ? Je veux pas essayer, puis ça coûte trop cher. Pour un écolo, c'est trop cher pour moi. Donc. Mais si on te l'offre, tu voudrais pas. Ah non, non, alors là, je prends pas. Troisième, quatrième sonnerie, là, tu sais que c'est nous qui t'appelons. Oui. Tant que t'entends pas la troisième ou quatrième sonnerie, tu continues à rouler. Oui, mais c'est là qu'il faut appuyer, non? Quand ça sonne. Là, tu vois un autre petit point. Oui. Eh ben, t'appuies d'abord sur celui-là. Rouge. Ouais, même pas rouge. Et ça sonne tout le temps, ce truc. Non, ça sonne pas tout le temps. Bon. T'appuies ici, dès que ça sonne. Le vert en face. Là, en dessous du point. J'appuie à nouveau. Je crois que je n'ai pas le mouchoir. Hein. Ça coule. Attends, là. Il y a un mouchoir. Boom, 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 boom
J'ai l'impression que ça va monter, descendre. Saint-Augustin. Et puis après, toi, toujours D142. Il n'y a pas à se tromper. C'est ce qu'on va faire pour l'instant. Okay. C'est pas la peine de regarder plus. Non, est-ce que je regarde s'il y a des cols ou des puits à faire entre deux? Voilà. Faudrait j'y vais. Parce que je collectionne ça aussi. Puits de Fauzac, c'est juste ça, avec le ton. Donc, tu vois, un petit... On y sera ce soir. C'est intéressant. Avec oh oui, ou oui. Ah, ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien, tu sais que là. Comme dit l'autre, je ne vais pas faire de la moyenne. Hein. Quand même du vent, toi, là, les drapeaux. C'est bien de voir, de regarder les cheminées ou les drapeaux qui flottent, parce que on voit le sens du vent. Bon, en route, le gaillard. Soyons francs, on était en train de travailler. Il aurait pu passer sans qu'on le voie. Hein. Mais vraiment, on n'a vu personne. Arrêtez, parce que finalement, j'en veux pas de portable. Parce que finalement, je me dis, merde, qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors, ils se sont fait piquer la bagnole, ils se sont fait piquer le truc, vous faites violer, n'importe quoi, enfin. Mais arrêtez vos conneries. Voilà. Vous voulez que je mette quoi? Non, non, rien. C'est tout? C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le voyage itinérant. Il suffit de faire 250 km en 3 jours. Bon, on peut faire beaucoup plus. Hein. Et là, on n'a pas besoin de dire ce qu'on fait avant. On fait un trafic et puis après, on l'envoie à l'homologation fédérale. Puis voilà. Les gens qui ne sont pas courageux, eh ben, ils ne font pas grand-chose de leur vie. Vous êtes d'accord? Pas spécialement dans le sport. Hein, parce que celui-là qui est courageux dans le sport, il l'est aussi dans la vie. C'est le même. Hein. Donc, il faut y aller. Bon, j'arrête là. Il y a des coins sympas, mais qui doivent descendre parce qu'on va sur le barrage de Neuvic-Ussel. Hein. Et après, c'est vrai qu'il y avait plusieurs solutions. Là. Je vais camper dans un village que je viens de citer. Là. D'accord. Parce que ces fonctions, je respecte, disons, le soleil. Le coucher du soleil, c'est à partir du coucher du soleil que je peux me planquer. Parce qu'ici, il fait grand jour et puis quand, mettons que je vais là, ben, ça va pas là, par exemple. Ça va pas là, parce que j'attends généralement autour de 8h30. Hein.
Et c'est là que tu commences à chercher... Je prends de l'eau, là, sur le village, parce que je me suis aperçu. C'est là que tu commences à chercher un endroit où dormir ? Le pénombre, oui. Mais on va pas aller bien loin, parce qu'on est tributaire de la nuit. Regardez sur la carte parce que c'est peut-être la direction de Mauriac hein, quand je regarde. Parce que le barrage est peut-être pas marqué. Elle est bonne, ça va. Elle sent pas trop le croque-mort. Je voulais pas vous laisser la voiture là, chercher un dégagement là. Je connais pas. On peut prolonger, on sait pas ce que ça va donner. Alors on retourne. Mais parce que je pensais qu'il y avait un petit dégagement, parce que on peut pas laisser la voiture là sur un chemin, parce que on sait jamais pas ce qui passe. Surtout demain samedi les chasseurs. Prête une route, en fin de compte, pas très loin comme ça, c'est ce que je fais assez souvent, parce que finalement, t'as un problème, tu peux gueuler. Et les gens, comme il y a la route, ils oseraient pas faire des conneries parce que la route est prête. Là, si je te fais enfoncer, par exemple, un kilomètre en forêt, là, il y a peut-être plus de danger pour les braconneurs. Tandis que là, par exemple, il y a des chasseurs, le temps qui... Toi, déjà là, tout de suite, ils tirent pas là, ils viennent d'arriver là. Puis logiquement, ils prennent leur service quand il fait jour, logiquement. Parce que c'est pas permis de chasser la nuit. Non, mais... Oui, mais... Ah bah oui, mais là, on voit bien. Ah bon. Faites attention si vous dès entendez... Dès qu'il y a une voiture, j'ai pas. Voilà. Bon, logiquement, les journaux, normalement, je n'ai pas fini de les lire. Hein. C'était des équipes. Parce que j'ai parlé d'une navire de vie, mais... Bon, j'espère qu'ils vont gagner, mais je tiens pas à rester dans un bistrot en entendant hurler les gens pour rien. Hein? C'est sûr, ce qui m'inquiète, c'est que il n'y a pas un gramme de vent, donc c'est possible qu'on rencontre demain de l'eau. Mais un peu plus tard, je pense. Entendez ? C'est une petite feuille qui se détache. Une fois, je pensais, j'avais un petit matin, c'était en Italie. Et disons, je pensais que, disons, le matin, je dis, tiens, un petit chat, tout mignon. Puis quand je l'ai bien regardé, il voulait rentrer dans la sacoche. Il est tout mignon. Alors j'ai dit, tiens, je lui ai donné quelque chose. Puis en le regardant, je lui ai dit, mais merde, c'est pas un chat. C'était une fouine. Mais tu sais, comme on dit, une tête de fouine, vraiment une petite tête de fouine, mignon comme tout. Et à partir de là, alors, je lui ai dit non, tu vas pas là, mais c'est tout mignon. Et tu sais que là, j'étais dans le fond, là, mettons, hein, dans le fond, dans la forêt, et moi j'ai dû faire ça pour reprendre la route. Hein. Et puis crois-moi si tu veux, il m'attendait sur la route pour me dire au revoir. Parce que c'est ça court comme ça. Je sais pas si t'as déjà vu, ça court comme ça. Alors bon, c'est pas un chat. On est dans une époque où les femmes, les jeunes, c'est déjà des vrais boudards. Tu te dis plus tard qu'est-ce que ça va être. Avant de fréquenter une fille, c'est ce que j'ai toujours dit, il faut déjà, avant de te mettre avec les filles, aller voir la mère. Et à partir de la mère,
tu te dis, voilà, voilà ce qu'elle sera dans 30 ans. Alors, tu vois le machin arriver, c'est ta mère, ça. Je prends mon vélo, je vais n'importe où, mais je veux jamais de marche arrière. Tu dois savoir qu'un voyageur, il aurait voulu aller partout. Il serait temps que je me décide quand même, un hiver. C'est sûr, j'aurais aimé faire un peu d'Asie, même l'Amérique, les Rocheuses, tout ça. C'est fabuleux, disons, de passer une vie en équilibre, je sais pas si vous voyez, parce que j'arrête de pédaler. Ou quelqu'un arrête de... Il tombe. De passer une... Parce qu'on est vraiment... Alors si en plus, toute la journée, t'es frôlé par les fous, tu te rends compte, cette vie hors norme qu'un cycliste peut mener comme moi ou d'autres aussi, disons, parce que c'est une vie, comme dit l'autre, pour rester en vie, c'est... tu te demandes comment tu fais, comment on peut faire. J'ai le tassé à cause du changement de vitesse. Ça, puis la lumière, hein. Ça attire là. Les mouches. Tiens, j'ai même pas enfilé mon deuxième. Ça, c'est parce que je pensais aller au water. Garçon. Maintenant, j'ai du mal à le porter. Il y a d'autres. Deux qui sortent des bois. C'est la première voiture que je rencontre. Oh, j'ai commencé à m'ennuyer. C'est sûr qu'on n'aura pas le soleil d'hier, bon, mais bon, après tout, c'est une belle journée, ça, parce que quand il y a trop de soleil, c'est pas bon du tout. Vraiment tranquille. C'est peut-être pas agréable, mais je pense pas qu'on est ennuyé par la circulation. Qu'on soit ennuyé. Ah ben tu vois, j'avais vidé là. C'est pas grave. C'est ça. Là, j'ai dit, à nouveau, j'ai dit, merde, ils mettent longtemps d'en faire 3 km. J'ai dit, il n'y a qu'une route.
Parce que moi, après, j'ai demandé s'il n'y avait pas d'autre route. Elle a dit non, c'est celle-là. Puis finalement, il y en avait une qui partait du centre, puis qui a rejoint. Je ne sais pas si vous avez fait attention à tout ça. Et ça, c'est la faute, disons, la DDE qui laisse les anciens panneaux. Moi, j'étais en règle, mais d'un seul coup, je vois dès 62. Ça y est, ça recommence. Alors, je redescends tout. Et puis, la dame, il dit, non, vous êtes bien là. Il faut bien que je survive là-haut, si je reste des siècles et des siècles à tourner en rond. Ben oui, on ne voit pas au paradis comme ça. Faut souffrir alors sur Terre. Ah oui, ça c'est certain, comme je l'ai toujours dit. Parce que le purgatoire n'existe pas en fin de compte. C'est soit l'enfer, soit le paradis. Mais moi, l'affaire, j'ai l'enfer, comme j'ai déjà dit, me met pas en enfer. J'ai déjà connu l'enfer sur la Terre, avec tous les fous qui me font chier. À partir de là, le purgatoire n'existe pas. Non, tu peux me mettre au paradis, j'ai dit. Alors c'est à toi de faire le nécessaire. J'attends. Qui c'est qui doit faire le nécessaire? Ah, parce que tu lui parles. Ouais. Je savais pas. La meilleure solution, hein, l'ami, direct, hein, conversation. Là, j'en suis certain qu'il passe pas par le téléphone. Qu'il nous écoute. Oh, mais il n'est pas si moderne comme ça, il est éco comme moi, de toute façon. Lui, il n'a pas inventé la voiture, hein. Dieu? Oui, 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 le créateur, à partir de là, ben, et comme dit l'autre, il ne savait pas qu'on allait venir dingue, qu'on allait polluer sa terre et tout ça. Hein, comme dit l'autre, au début, il a dit oui, faites des grandes familles, mais il n'a pas dit de surpeupler. Parce que ça sert à rien de surpeupler la planète si on n'arrive pas à faire face. Ça, c'est... Je me révolte contre ça. Et pourtant, les catholiques, ils disaient, c'est normal, faut bien qu'ils aient leur plaisir. Ouais, ouais, mais t'arrives même pas à la donner. Après, ils m'ont dit, parce qu'ils ont rien. Et puis ça fait des pots. Ils guérissent entre eux. Voilà ce que ça donne. Là, je suis obligé de faire attention parce que tu crois que tu as du froid et tu n'as pas de frein. Et devant, alors quand il flotte, je dois rapprocher les patins. Mais tu t'abrites pas. Parce que derrière, et en ta compte, les patins derrière ne freinent pas du tout. Quand je prendrai le temps d'écrire sur le Tour de France, c'est le galibier, mon panaché. Parce qu'après, disons, alors bon, j'ai arrivé à toute la grande descente sur Valois. Après, à nouveau, petit grimper sur le télégraphe, redescendre sur la vallée de l'Arve, National 6. La pression comme ça, d'eau. Alors, tu vois, après ça, j'étais, eh bien, je claquais des dents, je crevais. Mais disons, je continuais quand même. Parce que j'ai dit, Tour de France, il faut. T'as perdu du temps énorme. J'ai essayé de me abriter, mais personne ne voulait me recevoir. J'étais trop crado. J'avais les vêtements déchirés, tout ça.
Là, tu dis merde, j'ai dû impitoyer le chef de gare. Ça m'enlève encore le chef de gare. J'ai dit, je le marque, il dit, avant que j'attrape une pleurésie, je voyais la pleurésie arriver. J'ai dit, allez, laissez-moi quelques heures quand même, là, dans la salle d'attente. Je ferme tout. Il a vu quand même que j'avais une sale gueule. Il dit, non. Bon, ben allez-y. C'est toujours plein d'interdits. C'était exactement à Aiguebel. Tu vois, tout ça, c'est, ça a tellement été fort que ça m'est resté gravé à vie, ces trucs-là. Même les noms, tu vois. Et puis là, puis je suis reparti le lendemain. Logiquement, dans ma tête, tu dois passer partout. Pas de problème, hein, quoi qu'il advienne. Si t'es fort mentalement, tu passes partout. La physique, il doit suivre. Hein. Tu bourres le train, il doit suivre. C'est là-dedans, ça se passe partout. Et ça, bien, c'est ça ma force, en fin de compte. Que tous les gars me disent, et puis que je vois bien. Hein. Maintenant, beaucoup moins, parce qu'ils me posent des questions. Toi. Est-ce que ça va suivre vraiment? Tu vas pas, ah oui, ça peut pas durer éternellement. C'est pour ça que tous ces gens-là, ils meurent jeunes. Donc ils meurent dans leur espoir, dans leur truc. Mais celui-là qui prolonge un peu comme moi, il ne doit pas en avoir beaucoup. Hein. Comme dit l'autre, ma mère avait raison. Quand tu es en détresse, appelle-le. Et puis, il vient. Normalement, il vient. Il vient te secourir. Et par l'intermédiaire d'une personne qui vient te secourir. Comme ça. Mais il faut avoir le courage que moi, j'osais pas, je voulais pas. Parce que c'est pas question de fierté encore. C'est parce que je veux pas déranger. Je veux pas déranger le bon vieux, je veux pas déranger le pape. J'ai qu'à me démerder. Puis, en fin de compte, je vois que je peux pas me démerder. Donc... Non, mais il n'y a pas loin à aller. Hein. Mais on va peut-être découvrir des trucs. C'est ça qui est intéressant, l'ennemi. C'est qu'on ne sait pas où on est. Finalement, on découvre des tas de trucs où on peut dormir. Oui, parce que, vu la température, s'il y avait quelque chose, il me semble là, qu'il y a une chapelle. Regarde bien. Regarde, tu vois, pénombre, là. Ben, écoute, je l'ai aperçu tout à l'heure avant que vous passiez. Nous, je sais qu'on est arrivé là, parce que selon la topographie, c'est là, ça s'unit à la marche. Il n'est pas rattaché. Ah, tu sais, le moment d'inattention, hein, c'est vite fait. Hein. Heureusement que tu es derrière, je ne serais pas aperçu. Là. Bon, j'aurais refait une marche arrière. Faut venir des minutes là. Bon. Oui, faut pas trop traîner. C'était déjà un peu rageux, mais je crois pas que ça soit tant, c'est pour ça que là, bon, si ça trouve demain matin, ça va être pire. Hein. Mais apparemment, je l'aurais pas fait.
Donne-moi mon pinceau. Ouais, mais moi, ça n'a rien à foutre du parapluie. Là, non, là où... Dans un hôtel, hein. Non, non, là où ça va pas. Ça dis, non, non, là, ça, non, non. Et, dis, tu m'éclaires un peu la descente. Mais là, vous voyez vraiment qu'est-ce que je fais par là. Ah, mieux qu'à l'hôtel. J'ai pas salir, je suis propre. Je suis propre, je n'ose pas salir, je ne peux pas monter dessus. Oh, le pot. Oh. Ça fait pas longtemps qu'il est mort. Dis donc. Ça va, toi? On va pas qu'il soit écrasé encore plus, parce que j'imagine que moi, je me fais buter. Une fois, tu sais que c'est déjà arrivé. Les autres voient pas derrière. Ils t'aplatissent à nouveau. Ils t'aplatissent à nouveau. Tu te rends compte? T'aplatisse à nouveau, voilà. Tu te rends pas compte dans quel état qu'il serait, pauvre crapaud. Bien, justement. Admettons, tu penses que tu me trouves écrasé, tu me laisserais là, sur la route? Oh. Réfléchissant qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière, surtout de nuit. Oh, puis j'ai passé sur quelque chose. Encore. Tu sais que ces faits divers-là, c'est pas la première fois que je les lis dans les journaux. Bon. Puis c'est vrai, la vitesse qu'on passe sur une autoroute ou n'importe quoi, ils se rendent pas compte et on est passé sur un truc. Hein? C'est un corps humain qui a fait des... Il est complètement aplati. Enfin, ça fait comme un lapin, n'importe quoi, un chevreuil. Plat. Alors, rends-toi compte, là... On a fait ça hier. Bon, là, on est par là. Là, on s'est arrêté là parce que gros orage.
Et après, on a pris ça. Voilà. Et après, on a fait ça. Voilà. C'était pas fermé. Ben, je referme la porte, en fait. Ouais. C'est, elle était pas fermée. Mais enfin, ça fait rien. On l'aurait refermée. Passer la nuit à chaque fois dans des, là où vous pouvez, en fait, c'est ça? Voilà. Je vous cache pas, avant-hier, en forêt, mais alors super. Parce que quand il y a rendez-vous compte, quand il y a pas de gens comme ça. Vous n'êtes pas, disons, d'origine marocaine? Algérien. Ouais, bon, pas très loin. J'ai fait l'armée, je vous dis pas, bon, on rentre pas en conflit, hein, à nouveau. Je veux dire, ce serait con. Je l'ai pas fait, mais ça je serait con. Non, non, mais vous devez bien savoir ce qui s'est passé. Bon, j'en ai fait très peu, en d'Algérie. Autrement, j'ai fait le Maroc et tout ça. Bon, voilà. Ce qu'il en est, bon. C'est dommage tout ce qui s'est passé, moi, malheureusement, je ne peux rien, moi, personnellement. C'est compliqué, ça. Vous ne pouvez pas dire autre chose. Parce c'est compliqué, je ne rentre pas dans ces politiques. On s'est servi de la richesse. Maintenant, c'est, l'Afrique, c'est comme ça, on se sert de la richesse des pays, puis après, une fois qu'on dit, débrouillez-vous, ils n'ont plus rien, tout est pollué. Ouais, ils ont ça. Pris tout ce qui était bon. Et les pauvres, alors, ils s'entrebattent entre tribus parce qu'ils ont faim, ils n'ont plus rien. C'est atroce. Non, mais si vous cherchez du beau paysage, il faut aller vers Bah, le beau vers paysage, Bess, le Mont d'Or. Non, mais beau paysage, c'est le massif entier, mon pauvre monsieur. Super panneau, vous voyez, regardez. Voilà votre massif, avec tous les cols qui sont entourés. Saint-Aliès-Montagne, ouais, bof, c'est léger. Non, non, mais on est venu par là. Vous avez fait tout ça? Ouais. Le signal du Luguet, c'est le sommet du Cisalier, mais c'est sur un plateau, quoi. Le puits de Sensé, non. Le puits de Sensé, c'est magnifique, quoi. Non, non, mais j'ai dû faire un choix d'itinéraire, sans quoi, Ou en fait, il suffit d'aller rien qu'à la Gaudivelle, on a une belle vue de là-haut aussi, quoi. Ouais, mais on est passé. Mais là, c'est vrai que pour avoir une belle vue, en fait, justement, c'est un trésor caché. Il faut monter toute la route, arriver jusqu'au sommet. On s'est amené, malheureusement. Il faut continuer à marcher, et là, vous allez avoir une vue qui va se découvrir tout d'un coup, avec une vue sur le Puy de Dôme, sur le Sensé, sur le Cantal, sur les trois chaînes volcaniques. Oui, mais à condition, bon, il faut avoir à condition dégagé, justement, il ne faut pas croire, là, c'est un peu dégagé, mais... Non, c'est pas dégagé. D'ailleurs, on a beaucoup de chance, ça pouvait être compact. Voilà. Qui nous suit à la trace. C'est bon, hein? Hein? Oh! Bon, l'eau devrait être bonne. Je vais le mettre dans mon bidon.
5. S'il vous plaît. Pour un petit passage dans votre chambre. Qui net en plus. Et puis en plus, le luquet. Ça pourrait être en haut, mais. Non, ça va. Il est bien, hein. On a un joli temps. De temps en temps, peut-être qu'on vous le demande. Oui, c'est ça. On a des cartes de visite aussi. Hein. Ah, vous avez des cartes postales du luquet? Non, des cartes de visite. Ah? Les cartes de visite du restaurant. Oui, donc il y a des cyclos quand ils viennent en club. Voilà. On a compris, hein. Merci. Bon, merci à vous. Allez, au revoir. Voilà. C'est des cols qui restent encore à faire dans certains départements. Quand tu vois marqué bon, là, c'est parce qu'ils ont été faits cette année. Tu vois, donc il m'en reste encore à faire. Quoi. Le Cantal, puisqu'on n'est pas loin. Il n'en reste plus qu'un. C'est un col qui a été retrouvé après, c'est pour ça. Entre les années 70 et les années 2010, bientôt, il y a 40 ans de différence. C'est pour ça. Mais en montagne, ça fait terrible quand tu vois la meute des cyclos que je dépassais. J'avais des sifflets, j'avais des heures parce que ça les fait chier, comprends-tu? Et quand c'est des trucs enlacés où tu les vois, les mecs... Et comme j'ai dit tout à l'heure, dans les moments, parce que j'avais cette particularité de prendre large les lacets. Je montais, comme tu dirais un vélodrome. Et je braquais subitement, ça me faisait une descente, et tout de suite, clac, une dent de plus. Ouf. Alors là, que dis pas. Ce qui est à l'avance, les mecs. Ouf. Ah, les mecs. Je les vois tous. Maintenant, je peux encore le faire de temps en temps, mais alors il faut que je sois un bon. Hein. Parti donc samedi matin 11h, Patrick Plaine a parcouru 650 km jusqu'à dimanche 11h. Depuis quelques années, mon corps, mais j'ai l'impression qu'il m'appartient. Parce que, vous ne voyez pas, mais quand je marche après, je descends de mon vélo, je suis léger. Je croyais du coton qui sort, c'est pour ça. J'ai du mal à marcher, vous n'avez pas repéré. Hein? Vous avez repéré ça. J'ai du mal à marcher. Comme si que mon corps ne me portait plus. 30 ans. Et ça fait depuis quelques années. Ça. Et c'est là que je vois que je suis en danger parce que je ne suis plus grand-chose. Finalement, quand je remonte mon vélo, bon, j'ai quelque chose. Tu vois, sans souder là-dessus. Quand cette souffrance-là s'en va de ton corps, c'est là que rentre la grande jouissance. Parce que d'un seul coup, tu ne souffres plus. Tu ne souffres plus. Mais c'est formidable, tu as l'impression que tu renais parce que tu n'as plus de douleur qui revienne, rien. Et bien c'est là que tu as l'impression que tu as une certaine, je ne sais pas, tu plus qu'une jouissance, même disons que tu. C'est le bonheur de ton corps qui éclate au grand jour. Quand tu dors à 2000 mètres, voire plus, bon, le sommeiller à 3000 mètres, j'ai passé une nuit à 3000 mètres, formidable. Il y avait un vent à 3000 mètres, je ne sais pas si tu vois, sommeiller. Donc là, je m'étais abrité du vent, le ciel s'est dégagé, une nuit. Alors je me vois encore, d'abord j'ai marqué, j'ai fait un petit récit. Je grignote mon petit petit biscuit, tout doucement dans mon duvet, tranquille, une petite souris. Comme j'aime beaucoup les petits biscuits au beurre, tout petits, qui viennent de Bretagne ou de Normandie, à partir de là, face aux étoiles, comme ça, personne, pas un bruit, rien. L'estas, t'as froid, juste qu'il faut, c'est normal à 3000 mètres. Mais bon, et là, tu repars, il n'y a personne, le matin, t'es le premier levé, le dernier couché. C'est le paradis. Je regrette. Si vous loupez ça, je ne peux rien pour vous.
Se déplacer, hein, parce que c'est bouché. J'aurais peut-être pu mettre la casquette à la place, non, non parce qu'il n'y a pas de pub à faire. Hein. Pas trop de pub, cyclique, diamant. C'est pas encore de trop de la pub. Je veux dire, là, encore une fois. Non, je pense que ça va. Des... Coupé. Commence à aimer. Encore un goût. Hein.